Et salut à tous, c'est Belial et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du gameplay sur Plague Inc. Alors, j'ai déjà fait cette vidéo sur le nanovirus, mais ma capture de son a foiré. Du coup, je vais vous le dire tout de suite, je l'ai perdu. Hein. Ah, rien près, mais je l'ai perdu. Donc, je vais sûrement utiliser le même code génétique et la même technique pour aller. Comment, la même technique pour essayer de l'emporter cette fois-ci. Donc voilà, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas eu de vidéo ces derniers temps. J'ai eu beaucoup de boulot, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc du coup, j'ai pas trop eu le temps de tourner mes vidéos. Comme je vous l'ai dit, ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps à tourner, compagnie. Et avec le taf, c'est pas toujours facile. Donc voilà, ici j'avais mis boost ATP pour démarrer assez vite. Mimétisme génétique pour retarder la recherche, aquacide pour contaminer le plus vite possible, extrémophile pour être tranquille dans tous les biomes, et pathostase pour ne pas trop payer sur mes compétences. Et franchement, c'est bien pratique. Donc voilà, ici en normal comme d'habitude, et je l'avais appelé la dent simplement parce que parce que le nanovirus ici, un peu sans les pattes, me fait penser à la seringue d'Adam dans Bioshock. Donc voilà, une petite référence comme ça à notre jeu, c'est toujours le bienvenu. Donc on y va tout de suite, on démarre, hein, on essaye de pas trop perdre de temps. On avait pris l'Arabie Saoudite pour enfin, j'avais pris l'Arabie Saoudite pour la partie que j'avais fait juste avant. Ça s'était plutôt bien déroulé jusqu'à la fin où l'Islande m'avait posé problème et que je n'arrivais pas à la contaminer. Donc voilà, on démarre assez vite. Le problème avec le nanovirus, c'est que tout de suite ici, vous voyez que la barre de recherche commence à monter. Elle monte et elle monte vite. Donc idéalement, il faut vraiment lancer les moyens de transmission le plus vite possible, augmenter le tout 100% létal chez les humains, des chercheurs de développent, on s'en fout. Donc voilà. On va devoir développer vite, très vite, les moyens de transmission et puis se balancer sur les compétences pour essayer de ralentir la recherche le plus vite possible. Donc ici on va faire l'air et tant qu'on n'est pas arrivé à 80-85%, on va pas trop s'inquiéter. Par contre, comme ça va très vite arriver à 80-85%, on va quand même très vite commencer à s'inquiéter, pour dire la vérité. Donc voilà, on balance déjà un niveau 1 dans tous les moyens de transmission. Un niveau 2 sera peut-être nécessaire pour certains pays. On verra bien ce que ça donne. On va commencer par le sang, les moustiques et compagnie, dans l'ordre un peu qu'on veut, étant donné que je sais pas du tout dans quel sens va partir le nanovirus. Donc voilà, ça commence, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Donc ici voilà, on a déjà une île à Madagascar, si je dis pas de bêtises, Madagascar. Donc voilà, moustique 13 points, faut que ça aille vite, hein. Faut que ça aille très vite. Regardez, la recherche arrive déjà vers 70%. Et donc 13 points, il me manque un point, dépêche-toi, file-moi mon point, voilà. Hop, et ici on aura 15 et 18 normalement, vu qu'il augmentera d'un point. Un point ou deux, je ne sais plus. Donc voilà, là tout, il a une... Oula. Il a une forte tendance à la mutation, ce nanovirus. C'est pas mal pour la fin de partie, mais le problème c'est qu'ici on va devoir se dépêcher avant qu'il commence à bloquer les frontières. Donc hop, ici 18 points. On en est où au niveau de la recherche? 92%, waouh, on va directement balancer. Donc ici, élément principal stabilisé qui sert à retarder la recherche. Et ici, interception fragment de code qui permet de ralentir la recherche. Donc on va la reculer et la ralentir. Donc ici de 94, on tombe à 51. C'est vraiment pas mal. C'est pas négligeable. Et là, 50, c'est déjà énorme. Honnêtement, j'ai déjà pris beaucoup de retard. Beaucoup de retard, ça va me porter préjudice en fin de partie. Ça, c'est évident. Donc 14, il manque un point pour continuer. Le GSM qui s'emballe. J'ai pas trop le temps tout de suite de vérifier. Hop. Voilà, on a les pigeons.
On fera froid, chaud, résistance aux médicaments, et puis en fonction, on essaiera de retarder un maximum la recherche en fonction de ce qu'on a besoin et de retaper dans certains moyens de transmission, encore une fois, en fonction de ce qu'on aura besoin. Donc froid, chaud, résistance aux médicaments, on sera sur 11 points. Donc on se décourage pas, 65%, c'est vraiment la course, hein, c'est le nanovirus, c'est une course. C'est une course tout le long de la partie, c'est abominable. Donc hop, on retarde, hein, on retarde la recherche, 70%, c'est vraiment trop, beaucoup trop. Donc hop, hop, faut balancer le plus vite possible les moyens de transmission. Hop, on retarde encore, on réassemble. Et non, je ne veux pas, hop, froid 2 pour les pays froids. Parce que les pays chauds, comme j'ai commencé en Arabie Saoudite, ça devrait encore bien se passer. Donc voilà, éruption cutanée, on s'en fout. Tout ce qu'on veut pour le moment, c'est hop, c'est d'aller le plus vite possible pour les moyens de transmission, de contaminer le plus de monde possible. Vous voyez, ça démarre assez vite, c'est pas trop mal, parce que 71%, c'est déjà beaucoup trop, beaucoup trop. Donc qu'est-ce qui nous reste? J'espère qu'on n'a pas encore un gros paquet. Non, ça va, Maroc, ça devrait aller, Finlande, Suède, Norvège, comme d'habitude, le trio qui nous pose toujours problème, et le Groenland, l'éternel emmerdeur de service. Donc voilà, ici on y va vite. Hop, on a déjà deux du trio. Troisième voudra pas. Maroc, parfait. Donc il nous reste deux pays, la Suède et le Groenland. Donc ici, Suède, Groenland, donc froid, Groenland c'est bon. Froid riche urbain, froid riche urbain. Donc riche urbain, c'est ça je crois. Urbain riche, froid riche urbain, c'est bon. Je crois que ça devrait aller. Hop. Pour le froid, normalement on devrait pouvoir améliorer ça avec la pneumonie. Donc comme vous le voyez ici, les pays froids ils sont particulièrement vulnérables. Donc ici la dernière phase c'était l'Islande qui avait posé problème. Et ça a l'air d'aller cette fois-ci. Maintenant si c'est un autre pays qui commence, États-Unis, ça démarre. Canada c'est pas trop mal, Groenland c'est pas trop mal non plus. Donc voilà, on est à 88%, on va la retarder encore un coup. Hop, ça on va le garder pour plus tard. Ouais, on va carrément balancer ça. 80 et on retombe à 61, c'est parfait. C'est parfait. Œdème pulmonaire, j'espère que ça rend pas trop létal. Si ça le rend trop létal, on va enlever l'œdème pulmonaire. C'est lésion cutanée qui pose problème ou c'est l'œdème pulmonaire? Je ne sais pas. Oui, c'est l'œdème pulmonaire, parfait. Donc voilà, et ici, voilà, là, faut vraiment que ça démarre vite ici. On a encore 2-3 pays, là, Europe centrale, c'est pas vraiment un pays, mais je veux dire, Europe centrale, ça pose problème. Suède, ça a l'air d'aller. Groenland, c'est bon. Et normalement, on devrait pas tarder à avoir un petit peu de tout. Donc ce serait parfait, parce que ça... Ça me permettrait de vous montrer... Voilà, tout le monde a été infecté, je pense. Et là, les amis, on balance, hein, on se fait plaisir. Hop, hop. On va balancer ce qu'il y a de plus létal pour... Voilà, là, normalement, ça devrait déjà commencer à tuer en masse. À tuer les gens en masse. Donc voilà, c'est parfait. Au niveau de la recherche, ben, ça va commencer à ralentir tout doucement. Ici, on va essayer... Voilà, ici, c'est bien létal, ça aussi. Hop. Voilà. Ça a l'air pas mal. 66%, c'est honorable. C'est honorable, il y a moyen de faire beaucoup mieux, mais honnêtement... Honnêtement, le plus important, c'est d'avoir gagné, là, pour le coup. Donc, je regrette pas que ma capture de son ait foiré, parce que, pour le coup, c'est pas mal. C'est pas cher. À moins que j'ai pas infecté tout le monde et que j'ai fait le con. Mais, voilà, pour les derniers, hop, voilà, on leur balance encore des trucs dans les dents. Voilà. Et voilà. La dent a éliminé toute vie sur Terre avec succès.
Ouh! Bah ça va, ça a été relativement vite, je trouve. 560 jours, c'est vraiment pas mal parce que l'autre, je l'ai perdu sur une histoire de 900, plus de 900 jours, je crois pratiquement 1000. Donc voilà, 61% du remède, c'est ça qui a fait chuter les points à mon avis. Mais c'est quand même pas trop mal. Donc voilà, je m'excuse pour ce passage à vide au niveau des vidéos. Comme je vous le dis, j'ai vraiment pas du tout eu le temps. Demain, j'essaierai de vous balancer une vidéo sur Warframe ou un petit peu de PlanetSide. J'ai énormément joué à PlanetSide avec Anto et Ludo ces derniers temps. Donc on a pas mal de trucs qui ont été filmés. Par contre, comme ça faisait très longtemps que j'ai pas joué, j'ai fait beaucoup de fails. On a tous fait beaucoup de fails. Attendez, je vous accélère le truc. On a tous les trois fait beaucoup de fails, donc à mon avis ce sera plutôt une compile de tentatives désastreuses que vraiment une vidéo de gameplay à proprement dite. Donc voilà, il y aura sûrement d'une compile de fails sur PlanetSide qui va sortir dans pas longtemps. Je vais en profiter pour sortir mon tuto sur l'ingénieur, je vais essayer de le filmer aujourd'hui parce qu'il y a encore entre temps, j'avais refilmé mon tuto sur l'ingénieur, donc c'est la troisième fois que je vais le refilmer parce qu'il y a encore eu des mises à jour, donc il y a encore des choses qui ont changé, donc je vais devoir refaire une vidéo. Donc voilà, prochainement du Warframe, une défense Warframe, une compile fail PlanetSide et le tuto sur l'ingénieur qui va pas tarder à sortir. Je ne sais, je pense pas qu'il y aura de la vidéo de gameplay sur l'ingénieur parce que j'en ai pas de stock et j'ai un peu la flemme d'en faire. Et voilà, avant de démarrer le let's play sur Rogue Legacy. Donc voilà, c'était le nanovirus en normal et voilà, c'était pas trop mal. 560 jours, ça fera une petite vidéo, ce sera pas trop mal. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir les poulpes. Et alors à partager les vidéos, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter dans les commentaires de la vidéo. Et moi, en attendant, je vous dis à ciao et bonsoir.